Bonjour, je voudrais faire une petite vidéo en plus pour vraiment clarifier l'idée que quand on a une fraction et qu'on multiplie le dénominateur et le numérateur par un même nombre, on obtient une autre fraction égale à la première. Alors par exemple ici, j'ai la fraction 4 sixièmes et je l'ai représentée ici par ce rectangle que j'ai divisé en 6 parties égales et j'ai colorié en jaune 4 de ces parties. Donc ce, ce dessin-là représente la fraction 4 sixièmes. Maintenant si par exemple je multiplie par 2 le dénominateur, donc 6 fois 2... 6 fois 2, ça fait 12. Et bien, ce que j'affirme, c'est que si je multiplie aussi le numérateur par 2, donc si je fais 4 fois 2, 4 fois 2, ça, ça fait 8. Et bien, j'obtiens cette fraction-là, 8 sur 12. Et ce que j'affirme, c'est que cette fraction-là, elle est égale à la première. Donc, 8 sur 12 est égale à 4 sur 6. Alors, on va essayer de visualiser ça. Pour ça, je vais reprendre le même dessin que, que tout à l'heure. Donc ce dessin-ci qui représente la fraction 4 sixièmes. Et en fait ici, j'ai multiplié par 2 le dénominateur. C'est-à-dire que j'ai multiplié par 2 le nombre de parties. Et ça, je peux très bien le faire en divisant chacune de mes parties en 2. En deux parties égales. Donc je vais découper cette première partie en deux parties égales. Celle-là en deux parties égales. Voilà, celle-là aussi. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Donc tu vois maintenant, au lieu d'avoir 6 parties égales, j'en ai 12, hein, puisque j'ai divisé chacune de mes 6 parties en 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parties égales. Donc je retrouve bien ce dénominateur. C'est vraiment ce que je fais. Hein. Je découpe chacune de mes 6 parties égales en 2 parties. Donc je vais avoir le double de parties, c'est-à-dire 12. Alors maintenant, si je compte combien j'ai de parties qui sont coloriées en jaune, et eh bien ici, j'en ai plus 4, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je retrouve bien le nombre 8 qui est là au numérateur. Donc j'ai bien multiplié par 2 le numérateur aussi. Donc si je multiplie par 2 le nombre de parties, eh bien évidemment, pour avoir la même fraction, il va falloir que je prenne aussi le double de ces parties égales. Donc c'est pour ça que quand on multiplie le dénominateur et le numérateur par le même nombre, on obtient une fraction égale. Alors ça, c'est vrai pour la multiplication, mais c'est vrai aussi pour la division. Euh, C'est-à-dire que si je divise mon numérateur et mon dénominateur par un même nombre, eh bien, je vais obtenir une autre fraction qui sera égale à la première. Par exemple, ici, si je prends la, part, la fraction 4 sixièmes et que je divise le dénominateur par 2, je le divise par 2 cette fois-ci, donc 6 divisé par 2, ça fait 3. Et ce que j'affirme, c'est que si je divise maintenant le numérateur par 2 aussi, donc, par le même nombre, je fais 4 divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2, ça fait 2. et eh bien, j'obtiens une fraction qui est égale à la première. Donc, ici, ce que j'affirme, c'est que 2 tiers est égal à 4 sixièmes. Alors, on va essayer de visualiser ça exactement comme tout à l'heure. Je vais reprendre la même, le même rectangle que tout à l'heure. Voilà, avec la partie coloriée en jaune qui représente la fraction 4 sixièmes. Donc maintenant, je ne dois pas avoir 6 parties égales, je dois en avoir seulement 3, donc j'en ai la moitié. Hein. Donc ce que je peux faire ici, pour avoir seulement trois parties, c'est regrouper mes parties. Hein. Donc je vais prendre, je vais regrouper ces deux-là, par exemple, voilà. Ensuite, je vais regrouper ces deux-là, et puis enfin, je vais regrouper ces deux-là aussi, voilà. Donc là, j'ai effectivement 3 parties égales au lieu de 6, hein. j'ai divisé par 2 mon nombre de parties en les regroupant, et Ce que je peux voir, c'est que maintenant j'ai deux parties qui sont coloriées en jaune, deux parties sur trois. Donc là, je retrouve bien la fraction deux tiers. Et comme j'ai absolument rien changé à la partie qui est colorée en jaune, eh bien ces deux fractions là sont bien égales. Deux tiers est égal à quatre sixièmes. Et en fait, l'idée, c'est que si je divise par deux le nombre de parties égales que je fais, eh bien pour avoir le, la même proportion, il faut que je divise par deux aussi le nombre de parties que je colorie en jaune. Voilà, donc là j'ai trois fractions égales. 2 tiers est égal à 4 sixièmes est égal à 8 douzièmes. Et vraiment le truc à retenir ici, c'est que si tu prends une fraction et que tu multiplies le numérateur et le dénominateur par le même nombre, tu obtiens une autre fraction égale. Et de même, si tu divises le numérateur et le dénominateur par un même nombre, tu obtiens encore une fraction égale. Alors avec ça en tête, on va faire un petit, petit exercice en plus sur les fractions égales. Hein. Disons par exemple que quelqu'un te donne la fraction 5 sur 25. 5 sur 25. Et que tu voudrais plutôt l'exprimer comme une fraction avec 100 au dénominateur. Donc tu voudrais écrire plutôt quelque chose comme ça. Au lieu d'écrire 5 sur 25, tu voudrais quelque chose sur 100. Quelque chose sur 100. Alors le but c'est de trouver ce quelque chose. Et pour ça en fait il faut que tu regardes comment est-ce qu'on peut passer de 25 à 100. Alors 100, c'est 4 fois 25, donc pour passer de 25 à 100, il faut multiplier par 4. Ce qui veut dire que si tu veux garder le même nombre, hein, cette fraction-là, 5 sur 25, c'est un nombre, si tu veux garder ce même nombre mais l'exprimer de manière différente, tu vas devoir multiplier le numérateur par 4 aussi. Hein. Donc tu dois avoir 5 fois 4 au numérateur. Et 5 fois 4, ça fait 20. Donc ici, le numérateur de la fraction, c'est 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Donc la fraction 5 sur 25, elle est égale à la fraction 20 sur 100. Alors on peut faire aussi un autre exercice à partir de ça. Si par exemple tu veux trouver une fraction égale à celle-ci qui a pour numérateur 1. Donc avoir une fraction qui va être 1 sur quelque chose. 1 sur quelque chose. Je vais mettre un point d'interrogation. Donc comment est-ce que tu peux faire ça Comment est-ce que tu peux déterminer le dénominateur de cette fraction là pour avoir deux fractions égales hein Donc 1 sur ce quelque chose égale à 5 sur 25. Et bien pour ça on peut remarquer que pour passer de 5 à 1 de 5 à 1, on a divisé par 5. 5 divisé par 5 ça fait 1. Donc pour avoir une fraction égale à 5 sur 25, il va falloir que je divise le dénominateur aussi par 5. Voilà. On doit diviser le dénominateur par 5 aussi. Donc 25 divisé par 5, ça fait 5. Alors je vais effacer ça. Voilà. Puisque maintenant je sais que le dénominateur, c'est 5. Et la fraction 1 cinquième est égale à la fraction 5 sur 25. Donc voilà, les fractions 1 sur 5, 5 sur 25 et 20 sur 100 sont toutes les trois égales.